Silence. Les bleus. Musique. Michel. Moi, je suis absolument fasciné et passionné par le travail de la mémoire, bien sûr. C'est ça mon problème. Et plus que jamais aujourd'hui, tu vois, avec ce qui se passe, avec l'état de cette société, on est dans les fausses nouvelles, les fake news en permanence. Raison de plus pour y travailler avec sérieux, quoi. Mais il a l'air d'y croire, nom de Dieu. C'est que moi, dans ma vie, il y a le cinéma, il y a eu aussi quand même 68, comme pour plein de gens de ma génération. Moi, en plus, je ne suis pas un étudiant, je n'ai pas passé par l'Uni, j'étais en Suisse, je suis un fils de prolo, voilà, j'ai grandi dans un bistrot. 68, il y avait quand même cette envie de révolution, de « on va changer la vie, on va changer le monde ». Il y a juste quelqu'un qu'on avait oublié dans ces changements, c'est nous-mêmes. On ne se change pas soi-même. Bon, alors là, tu règles l'ancrage. Non, c'est pas là, c'est là. Je suis aussi cinéaste amateur, je filme. Arrête le temps. Je sais plus de quoi est fait ce monde. Je perfectionne mon regard. Filmer des gens. Des choses. Je suis un intuitif d'abord. Moi j'ai tout appris, pas à l'école. Hein. C'est vraiment l'intuition et c'est la vie. Moi je suis un enfant de la rue. J'ai appris la vie dans la rue et ailleurs, voire même un peu en maison de correction. Ça plus le fait que c'est des métiers où tu traverses la société en diagonale, c'est-à-dire tu croises aussi bien des ministres que des sous-prolétaires, et tu les traites pareil d'ailleurs. Moi, je ne fais pas de différence. C'est là que ça vient, quoi. Moi, je ne crois pas une seconde à la puissance de l'imagination. Je ne crois pas à la pensée magique. Moi, je crois que le réel prend le dessus en tout, ce qui n'empêche pas, après, d'avoir de l'imaginaire, d'aller transformer ça aussi. À défaut de transformer le monde, transformons au moins notre ressenti en, ouais, quoi, je sais pas, en fantasme, en image, en... Voilà, donc, c'est plus ma manière de faire, moi. J'ai même pas besoin de me confronter à moi-même, tu vois ce que je veux dire. C'est, ça vient, c'est là. J'ai beaucoup fait le malin, j'ai beaucoup bluffé, j'ai beaucoup frimé, j'ai beaucoup... J'étais une grande gueule qui emmerdait tout le monde. Finalement, ça m'a construit aussi, ça, cette histoire-là. Puis à côté de ça, j'avais du talent. Alors, bon, ben, coup de chance, quand même, parce qu'un petit, en tout cas. Moi, je suis pas riche, je possède rien, j'ai une vieille bagnole. Voilà, quoi, je suis pas un héritier. Et j'en suis fier. Il n'y a que le boulot, pour moi, qui m'a fabriqué. Désolé, mais je suis un très mauvais acteur.